30 janvier, le ski de fond. Coucou petit fondeur, petite fondeuse. D'une génération à l'autre, on ne prend pas de pause. De Léa à Annie, de Annie à Magna et Anne-Sophie. Un plaisir pour le corps et l'esprit, on s'épanouit. Un bien-être assuré en tout moment de journée. Pour faire avancer des fillettes pas toujours motivées, il faut inventer des histoires accompagnées de princes et de princesses à toute vitesse. Quelques arrêts pour susciter l'intérêt. Admirer la nature, humer l'air frais et pur, suivre le courant du ruisseau, savourer une clémentine en morceaux, explorer les étroits sentiers tout enneigé. Il est temps de rigoler en laissant tomber la neige des branches chargées sur ces skieuses maintenant heureuses. Poussez, glissez, poussez, glissez. Laissez aller quelques doubles poussées. Regardez dans les boisés, se propulser, tantôt à droite, tantôt à gauche, tous ces skieurs, tout en sueur, faisant patiner leur ski sans trop d'appui, puissance et légèreté, sans sont confrontés pour en dégager une grande beauté. Skier plusieurs kilomètres en savourant les joies de l'hiver rend tellement fier. Toi, demande à ta maman de t'apprendre à skier et sache apprécier tout ce que ça peut t'apporter. Et pense à moi. Mamie, le ski la rendait très heureuse. Être dans la nature, améliorer sa force physique, respirer l'air pur, bien skier, et ressentir les sensations de glace qu'elle adore.